Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale. Attention, on est des fous, on est des fous. Non, j'arrête. Alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale, on va regarder un nouveau deck. Et oui, on va faire un deck 2, donc à la recherche du deck parfait 2. Hashtag 2 pour être précis. Donc on va tout simplement, enfin aujourd'hui j'ai décidé de prendre des communes, mais que on a rapidement, tu vois. Les barbares, je sais plus où c'est qu'on les a exactement, mais on les a plutôt rapidement normalement. Vas-y, tu vas arrêter de me. Hein? Donc les barbares, on les a. Bon, on les a à Arène 3, vous avez pas chipoté, bordel de merde, hein? Voilà, donc après on a tout Arène 2, Arène 1, tout ça, donc. C'est plutôt potable, moi j'ai envie de dire. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose à Arène 4? Bah non, tu vois, on a rien du tout à Arène 4. Donc voilà, c'est nickel. Donc j'ai mis que des cartes communes, comme ça au moins, tu vois, c'est un truc. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il va être pourri, comme c'est pas permis. Alors c'est vrai qu'il a l'air assez fragile comme ça, donc enfin il y a du chevalier pour tanker, il y a aussi cette merde là pour tanker, mais en même temps ça peut servir de défense. Il y a les archers pour attaquer de loin, tu vois, qui passent bien. Les gobelins avec qui coûtent pas très cher, les gobelins pour défendre un peu, les gargouilles bah pour défendre, pour éviter de se faire niquer facilement. Ça peut servir des fois sur les ballons, sur les géants, tu vois. Ça, pareil, sur les petits... comment il s'appelle, le PK, là, ou l'autre truc, là, le chevalier, enfin, l'autre, là, le prince et tout. Ça peut servir. Et les flèches, pour si jamais il y a un gros groupe de gargouilles, par exemple, un gros groupe de squelettes ou tout comme ça. Ça peut servir, voilà. Donc, vraiment des cartes qui, normalement, devraient bien s'assembler, mais je sais pas. Après, il faut voir. Après, il faut savoir attaquer aussi. Bon, voilà, hein. Ce qui est pas forcément mon cas. Ouais, pourquoi pas. Donc du coup, eh ben on va se faire quelques attaques. attends. Ouais, on va voir un peu parce que ouais, c'est vrai que ouais, on va se faire ouais, je crois que ouais voilà. Okay. En fait, ce qu'on va faire voilà, on va faire une petite attaque là et on va voir ce que ça donne. Puis après moi je ferai des attaques de mon côté et puis je mettrai en description la vidéo pour les attaques. Voilà, comme ça au moins ça sera plus facile et ça sera moins long, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Ah, je perds un peu la boule. Bon, alors là, franchement, je sais pas du tout comment faire. J'ai jamais testé ce deck. On va foutre les barbares. On va foutre les gobelins à lance. Pourquoi pas les petits archers. Allez, voilà. Et un petit chevalier devant, histoire de tanker. Voilà, donc le gars, bon, il nous a un peu touché, mais c'est pas très grave. Voilà, on peut y arriver. Les petits archers qui va rien faire du tout. Bon, voilà, comme je vous ai dit, une petite flèche qui peut toujours servir. Voilà, donc tu vois, c'est pas pour rien qu'on a les flèches. Bon, c'est pas grave, on lui a pas fait de dégâts, il nous en a fait un tout petit peu, mais à la limite il est niveau 6, donc c'est pas très grave. Bon après c'est vrai que ça dépend de votre niveau aussi, hein, mais bon. Ah là là, ça va être compliqué. En plus il coûte 5 là, putain, ouais, le barbare coûte 5. bon, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je vous le dis direct, ah bah déjà je sais ce que je vais faire. Ça c'est sûr. Comment je vais faire, je sais pas, mais je sais ce que je vais faire déjà. Parce que lui, il faut pas qu'il atteigne les tours, c'est mort. Sinon on est dans la merde. Sinon, on est dans la même merde. Bon. Déjà, jusque-là, tout va bien. Ok. Ce qu'on va faire... On va envoyer ça. Ah. Bim. Petites archers, j'aurais peut-être dû envoyer mignon, je suis un peu con. Bon, c'est pas très grave. Oui. Oh, il a pas réussi. Ça, c'est magnifique, franchement, on a bien attaqué là. Oh, regardez-moi ça, les barbares qui va tout niquer. Ça, c'est bon, ça. On envoie les fléchettes. Et boum. Oh non. Oh, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Bon, j'ai pas fait exprès, mec. Franchement, j'ai pas fait exprès. J'y ai pas pensé. Parce qu'en fait, je vais niquer sa tour avec les flèches. Donc, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'ai pas fait exprès, mec. Hein. Bon. T'as qu'à pas envoyer tes vieux mignons de mes deux. Voilà. Bah, non, mais j'ai une excuse. Voilà. Une excuse un peu pourrie, j'avoue. Mais... Qu'est-ce que je te dis. Alors moi j'envoie mes barbares. Bon c'est pas grave, ils vont faire diversion. C'est pas très grave. Quoi qu'ils vont même peut-être pas se faire niquer. Ah y'a moyen. Qu'ils ne se fassent pas niquer. Y'a peut-être moyen. Franchement avec de la chance. Y'a peut-être moyen. Bah alors là franchement j'étais un peu con. J'avoue. Ah putain j'ai rien pour contrer gros. J'ai rien pour contrer. Putain. De merde. J'ai rien pour contrer. Très. Ok donc. Oh mais franchement il a l'air pas mal ce putain de deck. Ah ouais attends. Ouh là je fais de la merde. Oh je fais n'importe quoi.
Voilà. Voilà. Oh, trois archers, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi envoyer les barbares. Voilà. Barbare contre barbare, ça passe bien. Franchement, il a l'air pas mal à première vue. Il a l'air pas mal. Ça a l'air d'aller, je trouve. Oh, je suis peut-être pas si mauvais pour créer des decks. Hein. Moi, je suis en train de faire de la merde, par contre. Quoique. Non, ça va, ça va. On va faire ça, on va faire ça. On va mettre les minions. Et lui, il pourra pas me toucher, c'est clair que non. Et si, il m'a touché. Mais t'es sérieux? Mais putain, c'est quoi ces minions qui mettent 2 ans à apparaître, quoi. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. On va envoyer les archers. Arrête de bugger, franchement. Ah, je gagnerais déjà plus facilement si j'arrêterais de bugger, cet enculé. Oh putain, je me suis niqué en 2 secondes. Je me suis fait nicave. Ah non, mais là, ça va pas le faire, gros. Arrête tes conneries. Hein. Rien de ça, un peu. Hop là, tu vois, heureusement que j'ai les flèches. Hein. J'aurais pas les flèches, franchement, j'aurais fait comment? J'aurais fait comment? Pff, le mec, il a vraiment cru qu'on voyait les flèches, j'allais faire quelque chose, quoi. Bon, c'est pas grave, on s'est tapé une égalité. Donc, ouais, ça va, il est plutôt pas mal. Franchement, c'est vrai que pour des cartes communes, je trouve plutôt puissant. Après, ça dépend ce que t'as en face aussi. Hein. Par exemple, en face, t'as du bomber. T'es vite fait dans la merde. Hein. Avec eux, là, franchement, t'es dans la merde. Ah, je vous le dis. Hein. Franchement, t'as du bomber en face, là. T'as du bomber comme ça, là, en face. Ça risque d'être dur de gérer au niveau du bomber. Par rapport aux barbares. Ça risque vraiment d'être chaud patate. Ouais. Franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais... Putain, ouais, franchement, les gobelins, là, j'ai vraiment que dalle. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Je vais vous mettre dans la description des attaques. Donc, une vidéo avec 2-3 attaques dedans. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. On verra ensemble ce que ça donne, tout ça. Donc là, voilà, je vais finir cette vidéo maintenant. Comme ça, elle dure pas très longtemps. Et au moins, c'est mieux, tu vois. Vous voyez un peu le deck et tout. Franchement, c'est vrai qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a quand même du bon tankage avec les deux là. En même temps, de la bonne défense. Si on s'y prend bien, si on s'habitue, franchement, en tant que carte commune, ouais, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Après, c'est vrai que je suis que à 1185, mais bon, voilà. Après, petit à petit, quoi. Enfin, pour l'instant, on est que niveau 7. Enfin, on va pas non plus aller au maximum, tu vois. Enfin, on est bien, on est à arène 4. Ça passe bien pour un niveau 7. Ça passe bien. Étant donné que le niveau maximum est 11 ou 12, je crois que c'est 12, voilà, quoi, on est loin d'être au maximum, donc on a le temps avant d'augmenter de d'arène, voilà. Donc, bah ouais, franchement, bon petit deck, voilà, donc je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous mets les attaques dans la description, donc si vous voulez les regarder, si vous voulez kiffer un peu le combat, y a pas de souci, c'est dans la description. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc un bon petit deck hein, pour ceux qui commencent à la limite. Après, c'est vrai qu'à bas niveau, je sais pas ce que ça donne au niveau des trucs, mais ça doit être à peu près pareil. Hein, ça doit être surtout qu'il y a pas de bomber, je crois, au début. Si, il y en a ou pas? Ouais, il y en a, mais bon, voilà, malgré tout, ouais, il y en a vraiment en fait. Malgré tout, ça peut peut-être le faire à bas niveau. Après, je sais pas, ça dépend ce qu'on a en face. Voilà, tout ce qui est, ouais, je sais pas, tout ce qui est grosses troupes, ça peut passer, mais tout ce qui est. Sorcière, dragon, c'est vrai que ça casse un peu les couilles, mais ça passe, franchement ça passe. Ouais, ça passe, franchement ça passe. C'est ça qui est bien, il est un peu multifonction, ça passe bien. Bon allez, moi je vous dérange pas plus longtemps, sans ça durer 10 ans. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. N'oubliez pas, les combats dans la description si vous êtes des oufs. Non, il faut que j'arrête d'insister, je vais passer pour un connard. Enfin bon, je sais même pas pourquoi j'insiste, c'est complètement con. Je pense que vous avez compris. Ah bah oui. Vous faites ce que vous voulez de toute façon. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. J'arrête de dire de la merde. Ciao tout le monde. Ciao.